Et non, je vois beaucoup de jeunes Africains qui sont perdus, soi-disant qu'ils ouais, sont là pour défendre la culture africaine, la culture de nos ancêtres, surtout la religion africaine. Ouais, adorer de la fétiche ou bien adorer de la magie. Je vois que vous ne connaissez pas l'histoire des Africains, vous ne connaissez pas l'histoire de nos ancêtres, parce qu'adorer de la magie et adorer de la fétiche n'a jamais été une culture d'un peuple, jamais plus grand. Les Arabes faisaient, les Européens faisaient, les Africains faisaient. Tout le monde adorait de la magie. C'est pour cela qu'il dit à envoyer, en tout cas, des prophètes pour nous dire que non, on ne doit pas adorer de la magie, on doit adorer Dieu, bien sûr. C'est seul Dieu qu'on peut adorer, ce n'est pas de la magie, non. Donc, adorer de la fétiche n'a jamais été la culture africaine, ni la culture arabe, ni la culture occidentaux, non. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. L'histoire des chrétiens. 500 ans, l'Éthiopie, c'était des chrétiens avant l'arrivée des Occidents. Vous connaissez ça? 500 ans, l'Éthiopie, c'était des chrétiens avant l'arrivée des Occidents. Et l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Soi-disant que aussi, c'est les Arabes qui ont créé l'islam. Lorsque l'islam a vu les jours, il y avait des Noirs. Ouais. Parce que les noirs qui étaient marqués sur le Coran, ce n'est pas vous qui avez écrit leur nom, c'est Allah qui a écrit leur nom là-bas. Ce n'est pas un arabe qui a écrit leur nom, c'est Allah qui a écrit leur nom là, sur le Coran. Oui, les prophètes, paix soit sur lui, Mohammed, il avait beaucoup de compagnons, beaucoup de compagnons. Oui, mais lorsque Allah avait parlé les bienfaits des compagnons des prophètes Mohammed, paix soit sur lui, Allah parlait en parabole. Mais tout le monde savait, Allah parlait de lui. Mais lorsque Allah avait parlé des Noirs, les compagnons des prophètes, Allah a parlé son nom sur le Coran, c'est marqué Zahid. Pour que tu sois arabe, tu sois noir, tu sois trique, tu vas lire cette phrase Zahid. Ouais. Et aussi, le plus important à l'islam, c'est les prières. Parce que Dieu a monté les prophètes au septième ciel pour les donner les prières. Donc lorsque le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a descendu, il a choisi Bilal pour appeler les prières les plus importantes à l'islam. Les prières les plus importantes, Allahu Akbar. Si tu veux prier, forcément, tu sois arabe, tu sois européen, tu vas dire Allahu Akbar. Donc, c'est la culture aussi et africaine, Allahu Akbar. Réfléchissez un peu avant de dire. Et aussi, les prophètes avaient une femme nourrice. Les prophètes ont dit, celui qui veut rentrer à paradis, d'épouser cette femme. Et aussi, il y a une sourate Luqman.